personne face de tout le monde. Monsieur le médiateur entrant, Monsieur Mohamed Saïd Fofana, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, honorables invités, je n'ai pratiquement plus de discours à faire puisque j'ai eu à dire lors de la prestation de serment de M. Mohamed Saïd Fofana ce que représente le médiateur de la République parmi les institutions républicaines. Et je le répète, c'est une institution d'intercession qui contribue à la consolidation de la paix et la cohésion nationale dans le pays. Ceci dit, j'ai eu déjà, lors de l'installation, la prestation de serment du médiateur sortant, a également présenté le général Fassine Touré comme éminent militaire d'abord pour avoir fait ses preuves au sein de cette République et pour de son mandat qui vient d'expirer. Le général Fassine Touré a donné entière satisfaction car pratiquement c'est lui qui a mis en place cette médiature parce que quand il venait, bien c'était une médiature sur papier. C'est lui qui a donné cette configuration, n'est-ce pas, que nous voyons aujourd'hui. Et à ce sujet, au nom de M. le Président de la République, eh bien, il ressort tous les remerciements de la nation et toutes les félicitations pour ce travail accompli, n'est-ce pas, au service de la nation, au service de l'État guinéen. Pour M. Mohamed Saïd Fofana, je l'ai dit, je l'ai déjà présenté lors de la prestation de serment, comme quoi c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, car il a été, après son parcours administratif et logique au sein de l'État guinéen, il a été le premier collaborateur du président de la République à Trois-Bornes lors de son premier mandat. Et il a exercé cette fonction avec une loyauté, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Alors, homme, je l'ai dit lors de mon discours, homme du savoir, homme du savoir-faire, homme du savoir-être, eh bien, la Guinée ne peut compter que sur lui, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de cette mission délicate d'intercession et de contribution à la consolidation de l'État de droit, c'est pas que le président Alpha Condé se propose, c'est pas de mettre en place en Guinée et tel qu'il a promis au peuple de Guinée en sollicitant son mandat à la magistrature suprême. Ceci dit, encore une fois, je félicite M. Mohamed Saïd Fofana, c'est pas pour sa nomination à cette noble mission, c'est pas à cette noble fonction et là, je donne la parole à M. le médiateur sortant pour son discours d'usage. Je vous remercie.